Une tête de captation binaurale permet d'enregistrer un environnement sonore de façon très réaliste, puisqu'elle reproduit la perception naturelle. Utilisons une tête mannequin en polystyrène de la taille d'une tête humaine. La distance interorale doit être de l'ordre de 22 à 23 cm. Nous allons utiliser des oreilles en matière souple. Elles aussi doivent être conformes à la morphologie humaine. On a percé un trou dans nos oreilles au niveau du conduit auditif. Et on y installe un petit micro de bonne qualité. Connectons les micros à un oscilloscope. Et déplaçons un haut-parleur sur une ligne horizontale devant la tête. Le haut-parleur envoie un signal sinusoïdal qui est reçu par chaque oreille. Sur la trace de l'oscilloscope, on distingue bien un déphasage entre les deux signaux, qui varie en fonction de la position du haut-parleur. Nous allons utiliser un amplificateur à détection synchrone qui va permettre de visualiser ce déphasage. Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes pour comprendre son fonctionnement. Une paire de LED est branchée à la sortie de cet amplificateur. L'une ou l'autre vont s'allumer, suivant l'avance ou le retard relatif des signaux. Voici ce que l'on obtient dans le noir. Et après, une longue pause photographique. Voici un enregistrement obtenu avec cette tête. Munissez-vous impérativement d'un casque audio. Devant. Sur le côté droit. Je me déplace, je vais sur le côté gauche. Je me déplace encore, je suis derrière. Hop, je reviens devant et je me déplace pour aller au-dessus. Je suis au-dessus. Je me déplace devant et maintenant en dessous. Et je vais tourner, je reste en dessous, je suis en dessous, derrière. Je me déplace à nouveau et je redeviens devant.